Bon, eh ben bonjour, 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 bonjour. On va baisser un petit peu le son. Pas très très forte, mais bon. Hop, voilà. Oh ben, en plus, le morceau est terminé. Ça, c'est cool. Bonjour, bonjour, on est samedi, donc toujours comme d'habitude, comme tous les samedis ces temps-ci, le live en deux parties. Première partie, tranquille, peinard sur chapez.io. Et puis deuxième partie, au moment du, juste un petit peu avant le goûter, j'irai chercher mon petit bout de gâteau. J'ai pas besoin d'appeler ma maman, je l'ai appelée tout à l'heure, donc c'est tout bon. Parce que c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Salut Scoviette, salut Filaz, salut Docteur Pi, salut Filbur, salut Loulou, salut Carcosian. Quoi vous dites? Salut Filbur, j'ai tapé un peu vite, ouais. Hop. Alors là, il n'y a rien qui arrive parce qu'en fait, j'ai bloqué le truc, je crois. J'ai fait des essais. Donc pour pas que le compteur arrive, j'ai bloqué l'arrivée du bazar. Je suis un boulet, voilà. Voilà, ça arrive. Blablabla, 22,4. On va arriver au 25 000, on va passer le niveau 25. Et on va se débloquer un nouveau petit bidule. Donc sinon on va bosser sur aujourd'hui notre. On continue de bosser sur notre usine universelle. Bon, pas encore complètement universelle. Je pense qu'elle sera universelle quand on aura vraiment tous les éléments de la nouvelle version. Là il faut encore faire des petites manips à la main. Ce qui. Alors il va falloir faire du nettoyage, mais ça je le ferai hors cam. Donc on avait. Il y a tout l'aspect alimentation ici qui a été fait. Donc, choix de l'entrée dans l'usine. Il faudrait maintenant faire la partie production des différentes pièces dont on a besoin. Salut Nikova. On a combien en production? Alors, on va mettre plutôt en par heure. C'est plus par là, on produit du 51 000 par heure, hein. Donc on faisait le niveau en une demi-heure en fait à peu près. Et ça c'est la production qui est demandée pour le copier-coller. Donc livrer pareil. Alors on livre des pièces, bon 217 000. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était l'amélioration. Là, je crois qu'on a largement ce qu'il faut, 87 000. Non, il faut 120 000 de celle-là. Celle-là, on a 2,4 millions, il en faut 40, il en faut 80 000. Bon, on en a 2,4 millions. Celle-là, une C4, il va falloir la faire. Je suis pas très pressé puisque l'accélération, c'est du multiplié par 8, passer à 1000 multiplié par 8,1. Pop, 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 pop. La carotte est pas assez grosse. La carotte n'est pas assez grosse. Salut Lynn et salut Loralec. Alors par ici c'est bon. 24,4, oh, bon, on va attendre tranquillement de passer à 25 000. Hein. Non? On va découvrir le nouveau truc qu'on va gagner. Peut-être que ça va être un truc intéressant. Faites que ça soit un truc intéressant. On va faire une passe de Jedi. Je veux un truc intéressant. Papam. Papapam. Attention. Bloing. Toutes les excuses sont bonnes pour glandouiller quelques minutes. Alors, oula. C'est tout en anglais. I just gave a whole bunch of new buildings which allow you to simulate the processing of chap. You can now simulate QT, rotate, stacker, and more on the vir layer. With this, you now have three options to continue the game. Build an automated machine to create any possible shape. Voilà. Build something cool with VR et continue to play regularly. Whatever you choose, remember to have fun. Ouais, on va voir fun. C'est bien fun. Alors j'ai rien compris. Tutorial available.
Only available en English. Damn dead. Non, ça va, Snappy. Ça va, Snappy. La traduction, c'est bon. C'est plus, j'ai une bouche qui n'est pas en conformité avec la langue anglaise. Salut Mimiche, et merci pour ton abonnement, 14e mois. Un gros béco, un gros bisou, merci à toi. Ta-ta-ta, 14. Bon, on va pas regarder le level. Le problème, c'est qu'une fois qu'on les a passés, je peux plus aller les regarder. Mais on va pas se taper une vidéo en anglais. Hein. Est-ce... Non, parce qu'il n'y a rien de nouveau. J'ai rien compris au truc, en fait. Hein. Apparemment, mode libre. Ah non, c'est après le mode libre. Afficheur. Filtre. Interrupteur. Lecteur de débit. Stockage. La nouvelle version... Ah bah si, il me l'a démarré quand même le truc. Chapez.io level 26, content de tutoriel by Dog Day Boy. Ah bah il faudrait que je la note en regarder plus tard. Comment on peut faire ça, regarder plus tard? Ça existe, non? J'ai déjà vu ce truc là. Ouais, bon. Ouais. Ah, à regarder plus tard. Enregistré dans à regarder plus tard. Ah, on a une playlist qui s'appelle à regarder plus tard. Oh, bah, il faudrait que je regarde dans ma playlist à regarder plus tard. Ça tombe, j'ai déjà plein de trucs. alors, Villas nous dit en gros, juste fais ton usine universelle avec tes nouveaux jouets. Ou bien tu t'amuses avec le système de vire. Ou bien tu continues à jouer normalement. Ouais, mais il devait pas y avoir des nouvelles machines. Oh, regardez ce qu'il propose comme nouvel truc. Ah, brin, c'est la même que là. Bon, ben... ah, puis c'est une pénible, celle-là. Ah, c'est une pénible. Parce qu'elle s'en mange mal. La couche 3 et 4... 2 et 3. Donc ça, c'est tout en haut. La deuxième couche et la troisième couche, si on les fusionne comme ça, en fait, cette pointe-là vient se mettre sur cette couche-là. Les couches ne se séparent pas. A priori, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc dans mon usine universelle, ça risque de ne pas marcher. Ouais, bah je l'avais traduit, hein, Villazin. C'est pas parce que je parle comme un cochon en anglais que je comprends pas, mais du coup, ça veut rien dire, quoi. Pour moi, ça veut rien dire. Parce qu'il proposait des nouvelles choses, mais les nouvelles choses, je les vois pas. Je les vois pas dans ma barre, là. Alors peut-être que si on se met en mode E... Ah oui, ok, c'est ça. D'accord. C'est le découpeur virtuel. L'analyseur de forme. Le comparateur. Ah, sachant que ça va me plaire. Et met un booléen si les deux entrées sont exactement les mêmes. On peut comparer des formes, des couleurs et des booléens. Mmh. Oh, ça me plaît ça. Oh, le comparateur, il va me plaire. Oh là 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 là. Et le transistor, on l'avait déjà, je crois. Hein. Ouais. Découpeur virtuel, ça fait quoi? Découpe virtuellement une forme. Hein? As-tu compris la puissance du système de câblage? Ouais, le comparateur, il va me plaire, je pense. C'était ce que je cherchais, en fait. Ce que je voulais faire à la porte E, qui est juste un truc très binaire,
En fait, moi, ce que j'aurais voulu, ce que je pensais que c'était, le comparateur. Donc, du coup, là, maintenant, on l'a, le comparateur. Plus d'excuses. Alors, par contre, ce qu'il va falloir faire, oui, c'est cette forme moche. cette forme délicate. Alors, déjà, on va pouvoir travailler du coup sur l'automatisation un peu de ça, parce que là, ce qu'on avait fait, c'était au niveau de la couche, c'était pas très très lisible. Hein, quand je voulais sélectionner une couleur, envoyer une couleur sur un truc, je le faisais comme ça. Donc je mettais une constante verte sur sur un filtre. Et ça le faisait. Donc là maintenant ça va être remplacé je pense par un comparateur. Faire que j'imagine le truc, mais c'est probablement un comparateur qui va y avoir là. Donc je vais lui envoyer quelque part je dis je veux envoyer du vert. Quelque part je dis le vert je veux l'envoyer sur cette ligne là. Et quand les deux vont correspondre, et eh ben hop ça va partir. Et c'est bien ça que fait le comparateur. Ouais, c'est ça, il émet du zéro. Bah, j'avais fait un truc dans un coin. Ah, c'était ça en fait. Voilà, c'était tout à fait ça. Les essais que j'avais fait, mais je les avais fait avec la porte E. Et bien entendu, la porte, elle considère est-ce qu'il y a quelque chose ou rien. La porte E, c'est vraiment très trivial, très binaire. Et là, forcément, il y a quelque chose et il y a quelque chose. Donc en sortie, il met 1. Or, moi, c'est pas ça que je voulais. C'était donc un comparateur. Pap. Et là, c'est les mêmes pièces. Il sort 1. C'est pas les mêmes pièces. Il sort 0. Bon, bah c'est pile poil ce que je veux en fait. Hein. Donc, salut Yaidia. Bon, bah là en fait, ça va être assez relativement. Si je veux améliorer mon système ici. Bon, par exemple, on va commencer quand même cette pièce qui. Alors. Le problème, c'est que j'aurais bien aimé avoir une autre pièce à faire parce que celle-là, la couche 2 et la couche 3, si elles se fusionnent pas correctement, ça va pas me plaire. Alors, l'astuce, probablement, ça va être peut-être de les faire en deux parties. En deux moitiés, en fait, on fait une première moitié, on fait une deuxième moitié, on les recoupe en deux et on refusionne la moitié droite et la moitié gauche qui est correcte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on fait une première pièce avec. Ce qui veut dire qu'il faut une quadruple machine en fait. Il faut une double quadruple couche. On fait une première pièce avec les deux demi-cercles blancs à droite. Ici, un quart de cercle rouge à droite. Ici, la pointe à droite. Ici, le bleu et le gris à droite. Et à gauche, on met n'importe quoi. Deux petits carrés par exemple. Mais sur chaque couche. Ce qui fait que les couches 1, 2, 3, 4, elles se mettent bien ensemble. Ensuite, on fait la même chose avec la partie gauche. Un demi-cercle à gauche. Un quart de cercle, une pointe à gauche. Ici, rien. Ici, deux demi-cercles gris et bleu en bas à gauche. Et sur la partie droite, eh ben, sur chaque couche, un rectangle. Tac, 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 tac. Après, on découpe les pièces en deux. Et on les refusionne, et a priori ça doit marcher. A priori, c'est comme ça que je ferai. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut deux il faut deux machines. Il faut deux. Si je fais comme ça marche, mais il faut deux chaînes d'assemblage. C'est énorme. Alors après, le seul qui est pénible, c'est en fait la couche 2 et la couche 3. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour les construire à part en fait et venir les refusionner dans le système après coup.
Parce que le blanc, c'est pas un problème. Le rond blanc, c'est même pas du tout un problème. Celui-là, c'est pas du tout un problème. C'est celle-là et celle-là et celle-là. Alors, à faire, c'est pas un problème, c'est les assembler qui est un problème. Hein. Parce que si on les assemble. On va déjà les faire normalement, on va bien voir. Donc, couche du dessus, un rond blanc. Alors là. Alors on va penser aussi au niveau extraction. Donc alimentation de ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Alors le problème c'est qu'avec cette pièce là, il va me falloir plus que 10 lignes. Parce que là j'ai 1 plus la couleur, ça fait 2. Ah, j'ai 3, 4, 5. Plus 3 fois le rouge, ça va pas mon système, hein. C'est trop coûteux. Ouais. Ça allait bien pour la pièce précédente parce que ben on les utilise les 10. Hein. Mais ça me paraît énorme, ça me paraît démesuré par rapport à ce qu'il y a à faire. Comment je... Ce qui serait bien, c'est quand il y a la même couleur. Par exemple, ici, j'ai trois pièces à assembler avec du rouge. Ce qui serait bien, c'est que j'amène qu'une seule couleur rouge et que j'arrive à la dispatcher. Je peux peut-être le faire avec le nouveau système. Ah non, parce que avec mon système de filtre, ici, c'est du tout ou rien. C'est-à-dire si j'amène du rouge sur une seule ligne, hein, vous voyez le truc, si j'en l'envoie, bon là je sais pas où elle part, elle part ici. Si je l'envoie ici, c'est pas du un coup d'un côté, un coup de l'autre, c'est tout part à gauche. Pour passer ce niveau, la forme est vraiment bizarre, après elle te demande pas de trucs aussi complexes. Ouais. Ouais, mais si on fait une machine universelle, Mimiche. Dans universelle, il y a Vercel. Non, ça serait bien d'avoir vraiment une machine universelle. Je pense pas que ça soit impossible pour aller faire des formes aussi compliquées, mais ça soit possible de faire quelque chose de simple avec quelque chose d'aussi compliqué, mais bon. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais générer mes deux pièces. Et à un moment donné, dans la chaîne, quand j'aurai fini l'assemblage ici, je les récupérerai. On les enverra par ici pour les triturer et pour les faire revenir dans le système. Tu vois ce que je veux dire? Et ça sera une bidouille temporaire, quoi. Moi, je suis sur une machine universelle à 4 couches, web. Ouais, je vois bien ce que tu cherches à faire. On cherche à faire un petit peu la même chose, en fait. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est balancer... Avoir qu'une seule source... Alors par contre, après, ça risque d'être lent. Parce que si on balance du rouge... et qu'on le divise après en 3, ça diminue la productivité de la pièce, de la truc, on est d'accord. Mais là, à mon niveau, pour la deuxième couche, par exemple, ici, il faut alimenter 3 lignes de peinture en rouge. Ton usine, elle est terminée. Et elle marche et tout. Salut Markcraft. Oui, fini. Eh ben, dis donc. Après, que tu nous fasses une petite vidéo de présentation, alors. Mais, ah ouais, tu l'avais fait, je crois. C'était des images en grand et je les ai pas regardées.
C'est pour ça que j'y pense maintenant. Mes petites vidéos pour voir comment elles marchent et tout. La comparer, voir comment les solutions, comment t'as pris quelle est la solution pour l'alimentation que tu as prise par exemple. Parce que moi je suis parti dans un truc compliqué là. C'est-à-dire que je vais avoir une machine 16 bits quoi, avec 16 lignes. Ça veut dire 4. Je peux avoir. Ce qui serait bien, c'est que j'ai 4 formes, 4 couleurs. Donc ça fait 8 et j'en ai 4. Non, il faudrait une 32 bits en fait. Donc il faudrait que j'ai 32 lignes ici. Pour faire vraiment le truc universel, il faudrait que donc j'ai 32 lignes et que je peux faire n'importe quelle forme en 4 couches. Mais ça me paraît compliqué. On est bien d'accord. On est bien d'accord que ça paraît compliqué cette affaire. Salut les 3 AB. Bon, déjà, on va se faire la première couche. Hein, tranquille, peinard. Et puis on va l'automatiser. Ce sera déjà ça de fait. Donc c'est un rond blanc. Alors, est-ce que je récupère déjà des trucs que j'ai fait ou est-ce que. Non, des ronds, j'en balance pas. J'alimente pas en rond. Hein. Donc on va tout couper. On va tout couper l'alimentation. Toc, 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 toc. L'usine va se tarir. Tac, 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 tac. Et puis on va déjà penser aussi à dire comment on peut alimenter universellement ces 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va passer à 16 lignes. Il faudrait compter. Si je change rien, combien il me faut de lignes ici? 1, 2, plus 6, 8, 9, 10. Plus 6, 4 plus les deux couleurs, ça fait 16. Donc il faut que je fasse une entrée à 16. Pour te dire, par étage, j'ai 44 lignes d'alimentation réparties en 4 fois 11 lignes. 7 lignes de couleur plus 4 lignes de forme. Ah, ouais. Alors mon système serait peut-être plus simple. Parce que moi, je serais limité à 32. Mais en deux parties, en fait. J'ai la partie entrée dans l'usine et la partie après production qui serait séparée. C'est-à-dire ça qu'on va commencer à faire, en fait. Ça je le gomme. C'était mes petits tests. Alors contrôle. Pop. Si je veux 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il faut que j'en rajoute 6. On va s'en copier 6. Hein. À partir du truc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il me faut ça. Bah, je vais copier. On va copier jusque là. Oula, je vais j'ai mis le bazar par ici, moi. Voilà. Donc après, il faut juste que j'augmente vers le haut. Et salut Mangan, 20e mois d'abonnement. Gros bisous à toi. Et merci, 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 merci 20 fois. Merci pour le soutien. Et pour tout. Donc, ça veut dire que là, en fait, je vais partir par là avec mes 16 lignes. Et sur ces 16 lignes-là, bah, je vais venir aller piocher des formes. Alors, le problème, c'est que plus on s'éloigne, et moins on a des formes standards. Et j'aurais bien aimé avoir une forme standard, style un rond, un carré. Alors, je pense qu'il va falloir aller les chercher plus par ici, et puis du coup, les acheminer dans cette zone-là.
Tout ça, on va l'éliminer. Bon, l'alimentation du verre. Pop. Suppression, web. Web. Allez, tout ça, on l'élimine. Ouais, là, c'est pas du carré, par exemple. Remarque, les alimentations de... Parce qu'on va retrouver le même principe pour l'alimentation, c'est-à-dire des lignes comme ça avec des filtres. Hein. Salut Arnaud. Ouais, mais moi j'ai aussi le principe des quarts de forme, hein, puisque ici j'ai quatre lignes indépendantes, mais en fait ma machine peut fonctionner avec une seule forme et donc une seule couleur. Et c'est le cas du blanc par exemple ici. On va aller chercher la première forme, c'est un rond, et on va le peindre en blanc. Ce qui fait que ça va me prendre que deux lignes d'alimentation. Donc ici je vais balancer des ronds, ici je vais balancer des blancs. Et c'est tout. Par contre, bon ben là, je vais m'occuper d'abord d'automatiser ça, on automatisera le reste après. On va chercher du rond blanc, du rond. Ah bah tiens, il y en a un là. Hop. En série, de toute façon on est limité à un certain nombre de formes. Hein. Alors on est haut ici, ouais, faut que je descende. Faut que je descende au niveau du verre. Ouais, hop. Voilà, on balance le verre dans le truc. Et donc lui, il doit être en alimentation ici. Donc là, ça va pas marcher parce que je sais pas où il s'attend à aller. Ah, c'est ici. Mais il s'attend à avoir un petit carré. Or, ça va être un blanc qu'il va falloir lui balancer. Donc, ce que je vais mettre ici, c'est un comparateur à la place de cette forme qu'il aurait fallu modifier à chaque fois. Paf. Et j'aurai un comparateur sur chacune des lignes. En fait. Ouais. Faut que j'efface. Donc, un ici. Un ici. On va déjà faire comme ça. Donc lui, il doit être relié par un câble bah tous les comparateurs en fait. Il doit descendre tout en bas. Tu en mets 5 extracteurs max par tapis, pas besoin de plus. Ouais, après il bloque de toute façon. Donc là ah non, il faut encore. Il faut vraiment que j'aille tout en bas. Voilà, ici. Bon, et donc là, je vais balancer une constante et je veux dire, ce que je veux, c'est un rond. Ah, ok. Donc c'est un CU. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est CU. QQQQQ. Voilà. On veut un QQQQQ. Un Q au carré. Non, pas au carré, au puissance 2. Salut Navi. Donc, ça, c'est dans un sens. Voilà. Donc pour l'instant, c'est toujours du 0. Il est toujours bloqué, le truc.
Il est même bloqué partout là d'ailleurs. Pop pop pop, il avance plus. Et c'est étrange d'ailleurs. Et dans l'autre sens, on va lui dire. Sur cette ligne là, donc la quatrième, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, sur la quatrième ligne, on veut que ça soit du rond qui se balance. Alors on va plutôt s'installer non, de l'autre côté, il faut aller de l'autre côté, donc il va falloir aller assez loin. Donc là ça veut dire qu'on va prendre une entrée en bleu, le fil bleu. Alors il va falloir, on va le faire descendre et on va le faire passer en dessous. Donc là il faut faire toute la blablabla. Et donc on va lui envoyer une constante qui va dire c'est Q. Donc là normalement notre comparateur il doit sortir un 1. Voilà, et donc ça part. Pop pop pop. Ça s'alimente. Nickel chrome, ça rentre bien dans la partie. Puis là ça se bloque puisqu'il n'y a pas de peinture qui arrive. Ok. Pour cette partie là, vu qu'on veut une machine universelle, il va bien falloir lui balancer aussi un fil. Donc tac tac tac. En fait on va le copier hein, le truc, on va pas s'embêter. Oui on peut. Oula. Alors attends. Par contre on va pas copier le truc, on va juste copier ça. Donc C. Hop hop. Alors. Ici. Ici, ici. Et donc ici, on dit qu'on veut 0, on veut rien. Enfin, pour l'instant, on veut rien. Après, on verra peut-être quelque chose, mais... C'est U puissance 4. Donc maintenant, on va amener du blanc. Donc on va amener du blanc sur la deuxième ligne. Ça veut dire que pac, pac. Alors c'est là où ça va se corser, il va falloir faire des croisements. Parce que là... On va avoir notre vert qui descend. Blablabla. Hop, voilà. Et là, on va lui balancer une constante blanc. On dit, on va balancer du blanc sur cette ligne-là. Et là-haut, on va refaire notre croisement avec du bleu. Ah ouais, mais attends, on va coincer là. On va re-avoir un croisement ici, de l'autre côté. Et on va profiter de ce croisement pour venir alimenter. Ah bah non, oui, il suffit de faire ça. Non, tout bêtement. Voilà. Donc ici le rond avec le blanc, il fait 0. Ici, on va dire que le blanc, on le descend au niveau du dessous en fait. Parce que l'alimentation de peinture, elle est ici. Hein. Je rappelle que les formes, c'est les 4 du haut, les peintures, c'est les 4 du bas. Donc ça veut dire que... J'espère que vous suivez. Il y aura une interrogation écrite à la fin. Hein. Non, mais en fait c'est tout simple. Si, c'est tout simple. Je vais copier... On va copier ça.
attends. Comme ça. Voilà. Et le blanc, on le veut dans la quatrième ligne. Donc là, 0. 0. À chaque fois, je suis obligé de le reprendre. 0. Et là, blanc. Je suis perdu. Mais non. Donc, ça veut dire que ici, on veut du blanc dans la quatrième ligne. Et ici, on amène du blanc dans la deuxième ligne. Donc c'est 1. Donc quand on amènera du blanc, il passera ici et il ira bien dans cette ligne-là. Donc il faut juste amener du blanc dans la deuxième ligne. Ce qui veut dire que quelque part, à un moment donné, il faudra dire... Alors le blanc, il est où? Il est là. Donc là, je fais un truc provisoire en dessous, après ça sera autrement. Hop. Après, il va falloir programmer la quatrième ligne pour dire que c'est des pièces uniques. Ce qui va être le cas d'ailleurs. Voilà, le blanc arrive. Pop, pop, pop. Et voilà, il va faire du rond blanc. Pop, pop, pop. Il va dispatcher le rond blanc. Et là, il va falloir lui dire... Ouais. Et il faut pas faire de mélange. Alors je sais plus comment on dit pour pas faire de mélange. Clac. Il faut rien appuyer. Voilà, comme ça il se mélange rien. Voilà, et on sort que du blanc. Donc c'est bon, on produit du blanc. Plop, plop, plop. C'est impeccable. Et ça va vider la en plus ça va vider la machine. Donc on a notre pièce du haut. Une étape sur 4. 25%. Je fais une matrice 8-8. Ouais, c'est ça, un peu DJ Memoc. C'est tout à fait ça. C'est une matrice. Une matrice d'adressage. Hein. Sauf qu'elle va pas être 8-8, elle va être 16. Je vais avoir 16 colonnes et 8 lignes. Sachant que j'ai 4 lignes pièces, 4 lignes couleurs. Et là, c'est un peu particulier puisque je n'utilise que. Le haut et le bas, parce que je fais une pièce d'un coup. Pour l'autre, ça va se corser. La deuxième pièce est plus complexe, puisqu'il nous faut deux quarts de cercle et une pointe. Et donc, après, théoriquement, trois lignes de rouge. Alors le pire c'est si je veux faire un truc universel, faut pas que je pourrais récupérer ce bout de pièce en enlevant juste ça. Hein. C'est la même pièce, ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais quoique, attends, c'est pas dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. Bon, après c'est une rotation. Hein. Je vais la doter la pièce parce que. Ce serait limite, on l'extrait, on coupe en 3 et ça nous fait notre alim. Hein. Ouais, je vais supprimer tout ce bazar là. Moins tout ça. Hein. Hop, ok. Et donc on fait un découpage 4. Et à part cette forme-là, qu'on veut pas, eh ben on a... Cette pièce-là est bonne, cette pièce-là est bonne, et celle-là, c'est complètement l'inverse. Donc c'est une rotation avec inversion. Hop. Et c'est nickel chrome.
Bah, j'ai mes 3 pièces là. Si on veut du rendement, il faudra peut-être mixer ça plus. Donc on va les balancer dans ces 3 lignes là. Alors si on veut de la place... L'alimentation en bas, ça sera refait après. Hein. Là, c'est vraiment du temporaire de chez temporaire. Ici, on va là. Ici, on va là. Ici, on va là. Donc, au niveau de notre... Donc là, on est au niveau de la troisième truc. Bon, au niveau universalité, il faudrait que je casse tout le... Ce qui serait bien, c'est qu'il faudrait que je fasse toute une grille et que je la recopie après en bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça, je le sélectionne et... Hop. Je le supprime. Ok. Et ça, je recopie ça. Copie. Ici. 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 Attends, j'ai un décalage quelque part. Ah, brin. On peut pas faire de CTRL Z. Hein. Il faut. Hop. Alors, on reprend ça. Voilà. Voilà qui est mieux. Ah, j'aurais dû copier. Copie. Tac. Alors, DJ, tu as fait chaque quart de forme en 7 couleurs. Et après, tu assembles couche par couche. Ah ouais, ouais, ça c'est une autre, ouais, c'est une autre technique. On peut pas faire de CTRL Z. Non, on peut pas contrôler le Z. Bon, ce qui veut dire que là je vais faire une grosse copie de ce truc là en dessous. Alors pour le bien, faudrait quand même que ça soit un chouille plus long. Sinon ça va pas coller. Ah, on est d'accord. Donc je copie tout ça, CTRL C, coût 5000, c'est pas grave, on a du pognon. Ah, ça va pas marcher. Si, il écrase. Non, il écrase pas. Oh, brin. Ah, j'ai dépensé ça, j'aurais pas dû de, j'ai dépensé 5000 pour rien. Allez, hop. Donc, faut qu'on fasse le ménage. Oui. Appelez-moi le directeur. Alors, je copie ça. On le veut ici. Ah vache, on va passer loin. Ici. Ici. Bien ça, c'est sous chaque truc, hein. Ouais. Alors, ça veut dire qu'il faut faire un petit copie ici, 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 et ici, ça a l'air d'aller. Hop.
Voilà. Voilà qui va bien. Donc normalement... Bon là tout est à... Ah, pourquoi c'est pas connecté? Ah, parce qu'il n'y a pas de pièce peut-être. Si, pourtant il y a des zéros. Pourquoi ici il n'y a pas de chiffres? Ah, c'est peut-être qu'il n'y en a pas en bas. Ah, c'est ça. Il n'y en a pas en bas. Ok. Donc ici, on veut un... Comment ça s'appelle la pointe? Copier le raccourci. Ah, brin. On va le voir quand on va mettre ce truc là. Donc là c'est la pointe vers le bas. Donc c'est en troisième position. Généré ici. Star, c'est S. Donc ça va être tirer, 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 S, U, tirer, tirer. Ouais, c'est ça. Et hop, c'est parti. Du coup. Alors en deuxième, on veut le rond en deuxième position. Donc tirer, tirer, C, U, Q. Je sais pas s'il faut mettre les tirets, si c'est obligatoire. Ouais, il est beau. Voilà. Et en troisième position, ça va être le Q en 1, 2, 3, quatrième position. 1, 2, 3, Q. Hop. Et hop, il est parti. Alors, il part jusqu'en haut, mais à un moment donné, il va s'arrêter parce qu'en face, il n'y a rien. Ouais, au fait, il va où? Ah, il traverse tout et il finit à la poubelle. Ah, ok. Ok, ok. Donc, à un moment donné, il faut lui dire... Oh, arrête-toi, Bob. Et donc, on va s'arrêter dans la deuxième couche. Et on va utiliser les entrées 1, 2, 3. Donc, les 1, 2, 3, c'est celle-là. Hop. Donc... Alors là. Ah, on a copié. Ça, c'est pas bien. Donc, ici, on veut l'étoile en troisième position. Donc, star U. Wouh. En deuxième, au-dessus. Et en troisième, on veut. On veut du Q en deuxième position. Et là, on en veut en quatrième position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est bon. Donc normalement, ça marche. J'alimente. La pointe, plop plop plop, plop plop plop, plop plop plop. Alors par contre, ouais, on a complètement pollué le bazar. Ça c'est pas bien. Bon là, il va partir du jaune. Dans la quatrième ligne, il n'y a rien. Donc c'est bon. Donc maintenant, faut amener du rouge dans les trois lignes qui suivent. Ouais, moulin, c'est wind, windmill. Alors, du rouge. Ah bah le rouge, il est là. Pop, 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 pop. Et ben, regarde bien. Tu veux du rouge, Bob? On va t'en donner du rouge. Bouge pas. Hop, hop, hop. Alors, le deuxième rouge, il est là. On traverse le champ de vert, hein, c'est pas grave. Soyons des brutes.
Le truc, il est gourmand, hein, donc... Oh. Pas facile tous les jours, hein. Hop. Et hop. Donc là, il est bloqué parce que il est pas alimenté. Donc on repasse sur la couche E. Et ici, on lui dit... Oh, on veut du rouge. Ici, on veut du rouge. Ici, on veut du rouge. Là-haut, on va remonter sur notre deuxième forme. Donc elle est là. Donc première ligne de couleur. On veut pas du blanc. On veut... Donc c'est ça après qu'il faudra chercher à automatiser, hein, bien entendu. Pour l'instant, c'est des constantes. Mais après, je pense qu'on pourra faire quelque chose de beaucoup plus costaud. Du rouge. Et du rouge. Du coup, je pense que maintenant, le rouge... Ah. Ni Havas problemon. Nous avons un problème. Ouais, tout part. Tout part dans la première ligne. Ah, brun. Je sais que je peux faire les... le mage. J'utilise pas beaucoup. Ouais, je sais, maintenant il y a tous les éléments pour le faire, mais il faut que j'y réfléchisse. Déjà là, tu vois, par exemple, j'ai un souci. Allô Houston, nous avons un problème. Hein, parce que bon, comme en fait ici on a demandé du rouge sur la première ligne d'entrée dans le truc, en fait il est valide pour cette colonne là et cette colonne là. Donc les trois colonnes partent dans le premier, elles vont pas dans le deuxième et dans le troisième. Ce qui fait que bah là notre système ne produit, ne va produire. D'ailleurs, il produit rien du tout. Ah, parce que ce qu'il a... Ah oui, le système est bloqué parce qu'il y a un seul truc. Il a dû produire des trucs. Mais là, il faut un triple assemblage. Donc je pense qu'il faut cliquer là et là. Je sais pas où ils sont partis les trucs. Bon, il faut qu'on pense que je trouve une solution pour ça. En fait, dès qu'il y a une pièce identique, mon système ne marche pas. C'est pas prévu de faire plusieurs fois la même couleur. Tu as oublié des répartiteurs entre les comparateurs. Il faudra employer le terme du jeu, répartiteur, ça n'existe pas. Je vais faire une matrice donc 8-8 ou 16-8 et ça fonctionne pas. Comment on va s'en sortir cette histoire? Bon, après il y a un moyen très simple, hein, de s'en sortir. C'est de couper le signal ici. Ah ouais, pourquoi ça, du coup, ça marche pas aussi? Ah oui, ça l'alimente plus. Ah. Bon.
ne regardez pas, c'est sale. Les enfants, ne regardez pas, c'est très sale. Donc là, ici, pareil. Non, ne regardez pas ça, c'est très sale. J'ai honte. J'ai très honte de moi. Ah bah ça marche. Ça marche. On colorie les trucs. Ouais, c'est cool. Ouais, ça marche. Ça marche. Ouais. Ta-ta-dan. Bon, la machine a l'air un peu coincée. Pourquoi? Parce que il faut que je fasse des fusions. Ah, pourquoi il fusionne pas ces carrés-là? Il fait cette fusion-là, mais pas celle-là. Parce que celle-là, elle n'est pas alimentée. Ah oui, alors que celle-là, elle sert à rien. La bleue ne sert à rien. Donc il faut alimenter les deux vertes. Il faut être comme ça. Et là, à un moment donné, il fera des formes correctes. Pour l'instant, il fait un peu du brun. Parce qu'il y a encore des jaunes dans le système, en fait. Dès qu'il n'y a plus de jaune, c'est bon. Il fait des formes correctes. D'ailleurs, on voit qu'il commence à faire des formes correctes. Salut, J1. Arrête tes bêtises. Une porte et au lieu de où? Oui, on a quand même des formes correctes hein, sur le lot. C'était bien cette forme là qu'on voulait faire. Bon là on vit dessus là, et puis c'est bon hein. Quoique je sais pas si c'est lui qui met le brin, parce que c'est la quatrième et la quatrième normalement elle est pas utilisée. Non, c'est bon, il va faire des formes correctes maintenant. Quoi qu'il y a encore du... Non, il y a encore du jaune qui traîne là. Ah, c'est d'ici que ça vient le brin. Bon. Il faut ajouter un répartiteur. Ah oui, ok, ça, ouais, mais c'est ce que je voulais pas faire, parce que du coup, ça veut dire que, déjà, ça va prendre une place pas possible, et ce que je veux, c'est que toute cette ligne-là aille là. Alors qu'avec un répartiteur, je vais diviser en deux. Donc je vais avoir que 50% qui va aller là. Alors tu me diras, d'un côté, d'un autre côté, j'aurai 50% d'ici, 50% d'ici, 50% d'ici. Donc j'ai 150%. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'ai plus une entrée symétrique de pièces. Et comme ça, oui, ça marcherait, puisque ça voudrait dire que j'aurais la moitié des pièces qui partiraient au deuxième rang, donc qui pourraient être pris en compte. Mais il faut que je le fasse à chaque, devant chaque filtre, donc que j'augmente la taille de mon truc. Je pense qu'il y a moyen, avec la... Avec le booléen, il y a moyen de s'en sortir. C'est-à-dire qu'en fait, dès que j'ai un quelque part, il faudrait que ça bloque les autres. Faut que je réfléchisse à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y aurait une ligne, il y aurait un « et » en plus.
et probablement un inverseur. C'est-à-dire que si j'ai un 1 sur la ligne, tout le reste est à 0 là. Et donc il n'y a que celui-là qui est pris. Alors que là, par exemple, on se retrouve avec 2-1. Ah oui, ça veut dire que ce 1-là doit pas bloquer celui-là non plus. Ah, vache, ouais. Celui-là, il marche parce que il est jamais alimenté parce que ça part par ici. Donc lui, il ne va pas être en action. Ouh, c'est chaud. Ouais, un Xor, quoi. Ouh, c'est chaud. Bon, on va réfléchir ça. On va réfléchir à ça posément, hein, parce que le problème est pas simple. Toc toc. Et je voudrais pas perdre tout le monde. déjà que c'est chaud, hein. Alors troisième pièce, troisième couche. Et ben c'est une pointe. C'est juste une pointe. En position 1. Et rouge aussi. Bon bah la pointe... La pointe au pire, on l'a là. Hein. C'est la dernière. Puisque c'est la pièce 4. Mais celle qui nous intéresse, c'est une 1. Donc faut faire une rotation simple. Ouais. Dans le bon sens, ça serait mieux. La semaine prochaine, on se fait un speedrun. Non, arrêtez vos bêtises. Alors, on va aller... Tiens, je vais utiliser la touche mage. Hop. Sinon, je fais de l'adressage, ouais. Ça serait bien de s'en sortir avec une petite solution... Poulet n'a pas piqué des hannetons. Alors, à ce niveau-là, on balance donc en position 1 une star U. Pop. Et après, on balance du rouge. Donc là on est en troisième position, donc première position, première pièce, c'est une star U, et première position couleur, c'est un rouge. Ah ouais, donc ouais, pareil, ici et ici. Et là, il n'y a qu'une seule pièce, donc il ne faut pas de fusion. Donc, faut... Ah ! J'ai du mal avec ces touches-là. Hop, voilà, c'est bon. Xor, c'est un perso de manga. Oui, en plus. C'est pas faux. Bon, là, ça sort de la grosse cochonnerie. Ça sort de la grosse cochonnerie comme pièce. On se demande pourquoi.
se demande bien pourquoi. C'était un dessin animé comme... Enfin, pas un dessin animé, un film. Des petits téléfilms à la mode comme il y avait Force Jaune, Force Bleue, là. Oh, comment ça s'appelle? Bioman? C'était le même truc, je crois. Il y avait XOR et puis il y avait Bioman. Et ça devait être tourné par les mêmes compagnies, hein, vu le niveau... Bon, à un moment donné, ça va être bon. Ce qu'il faudrait, c'est... Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, ça doit être bon aussi, non? Pourquoi ça sort pas dans le troisième tuyau? Pourquoi il n'y a pas de rond qui arrive Celui-là n'est pas alimenté. C'est normal, c'est le quatrième. On a un problème là. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Attends, je comprends plus ma machine. Ça c'est le premier. Tac tac. Ça c'est le deuxième. Ça c'est le troisième, mais ouais, ça c'est un premier. Mais il est nulle part. Oh, mais c'est toutes les machines qui sont pétées là. Ouais, comme c'est un gros copier-coller. Ah non, celle-là est ok. Ah ouais, ça doit contourner autour. Ok. Ça c'est comme ça. Voilà. Ça va mieux marcher. Ok, tac. Tu parles que la machine elle marchait pas bien et qu'elle avait des loupés. Pourquoi elles sont pas toutes pareilles les machines? Et là? Pareil, c'est là. Heureusement, ouais, celle-là sert à rien. On a tout cassé. On en parle de Ken de survivant. On va surtout se faire, c'est une table de vérité. Donc, alors là, du coup, l'assemblage se fait pas correctement, hein, puisque les couches sont pas bonnes. Hein, la deuxième et la troisième couche se mettent au même niveau, alors que c'est pas ça qu'on veut. Mais ça, on va y remédier. On va y remédier après ça. Déjà, on s'occupe de notre système. Bon, je me suis aperçu d'une faille dans mon système. Quelle heure il est? 15h16. C'est ok. Donc, on va s'occuper de la quatrième couche. La quatrième couche, elle est simple. C'est du bleu en 1 et du bleu en 3. Donc, je vais envoyer 4 quarts de cercle plus 2 couleurs. Donc il me faut 6 tuyaux. Et ben c'est ces 6 tuyaux là. Hein. Hop. Donc on va faire du ménage. Alors ça c'est le blanc. Le blanc on n'y touche pas. Tout le reste par contre là. Pop. On dégage. Dégagez. Nous ne voulons pas plus vous voir. Ah ça c'est quoi?
C'était une machine de blanc. Ah! Et la machine de blanc, on l'utilise, hein. Alors, on va aller la mettre ailleurs, la machine de blanc. Va juste falloir l'alimenter autrement, quoi. Hein. Toc. X 4000. On va la mettre on va la mettre ici pour l'instant, ça va être bien. Et donc on veut, ah c'est vidé, on veut 3 lignes de vert, 3 lignes de rouge, 3 lignes de bleu. Alors elles étaient ici. Alors pourquoi faire simple? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On va réorganiser un peu tout ça. Alors, la ligne de bleu... ouais, celle-là, elle va dégager. Non, c'est pas ça que je veux faire. Les lignes de rouge, on va les faire passer là. Et les lignes de vert, elles vont passer là. Alors dans l'autre sens. Extraction série 5. Alors, je vais faire ça. Elle est où la machine? Elle est par ici. Donc il faut qu'on aille jusque là. Hop. Alors, comment on va faire ça? Le vert, on va le balancer ici. Donc il va falloir un deuxième vert ici. Et un troisième vert. Alors le problème c'est après faire des... parce qu'il faut faire des sauts de mouton. Hop. Ah. On va avoir le une couleur ici et l'autre qui va être ici. Donc il faudrait qu'on ait une couleur ici et une autre ici. Donc le bleu par exemple ici et le rouge. Donc ça veut dire. remarque après c'est bon. Ah non, c'est pas si bon que ça en fait. Parce que le rouge. Faut qu'il monte comme ça. Le truc des tunnels, c'est bien. Et. Voilà. Donc ici, il me faut un bleu. Ici, un rouge. Euh.
Hop. Et l'autre bleu, il va être ici. Et le rouge, il est à deux distances, il sera là. Troisième rouge. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Hop. Et on produit bien du blanc. Ok. Alors le blanc, on voulait l'amener où? Ici, je crois. Hein. Ouais. Donc là, juste une ligne. On en a besoin que du ligne, mais... C'est une machine universelle, hein, donc... Hop. Un tunnel sur le second bleu. Ah oui, j'aurais pu passer ici. Ouais. Ouais, pour le coup, ça aurait pu être plus. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Ça aurait pu passer en dessous ici. Ça aurait été obligé. On aurait bien moins été obligé de monter. Bon, c'est pas trop grave. Hein, ça, après, on verra par la suite. Donc, moi, je veux du. Bah, j'aimerais bien avoir un rond, le découper en 4 en fait. Hein. Pop, pop, pop. Ça serait pas mal d'avoir du rond. Hein. On va aller chercher du rond, de toute façon on en aura besoin. Ah bah tiens. Ah oui, on l'avait amené directos. Mais on va en chercher d'autres. Hop. Passer en dessous. Oh, quoi qu'on on peut s'amuser à tout traverser, mais il faut le trafiquer, donc on va le descendre un peu en dessous. Essayer de faire quelque chose de propre quand même. Ah, utilise le majuscule, c'est mieux. Ouf. Bon, c'est temporaire. Si, si, c'est temporaire. Alors, on va faire du découpage. On va descendre un peu. On va avoir un peu de la place. Parce qu'il faut qu'on se fasse un découpage en 4. Peut-être qu'il faudra. On prévoit tout de suite à ce que on en fasse plusieurs. Puis là, on remonte. Pop, pop, pop. Alors, si on en fait plusieurs, ça veut dire qu'il faut prévoir le coût de. On les écarte un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, si on en remet un autre ici, on fait comme ça. Hop. Ah, il faudrait l'écarter. Ouais, parce qu'il faudrait venir se fusionner ici. Ouch. Alors, on va l'écarter de 1. Comme ça, lui, on passe ici. Et on vient le fusionner. Bah, ici, par exemple. Ah. Ça va être très bien. Et lui, bah, on fait pareil.
sauf qu'on vient le fusionner ici. Hop. Lui, on fait pareil. Hop. Et lui, on vient le fusionner avec un bazar comme ça. Voilà. Nickel chrome. Donc. Moi, je sais ce qui se passe quand Z dit on verra par la suite ou temporaire. Bon, non. Pourquoi? Alors, attends. Là, faut faire passer l'autre. Donc, on va le faire ici. Celui-là ici. Celui-là ici. Hop. Alors, attendez. On va quand même passer comme ça. Hop. Voilà. Comme des petits cochons. Donc, ça, c'est la pièce 1. Hop. Ça, c'est la pièce 2. Ah, oui, ça va pas le faire. Bon, ok. Oh. Ça, c'est la pièce 3. Donc, tac, 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 on raccroche. Hop. Alors. Ah oui, ici, il fallait faire de la copie musclée. C'est provisoire, coucou la télé. Salut Fredo. Salut Hotbug. Salut Sir Monfred. Niveau 25. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. 26. Enfin, on a passé le niveau 25. Donc, on est en train de faire la forme chelou. Mais du coup, je suis en train de m'apercevoir qu'on a fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je suis sur la machine universelle. Donc là, pour l'instant, à 16 bits d'entrée. Alors, je copie ça. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. J'en ai 6. Et attendez. On va carrément prendre. Il faut qu'on ait le connecteur noir sur le bouton noir. Copie. Oh, c'est qu'un 3500 en plus. Plop. Là, ça se raccroche pas bien. Et pourquoi ça, madame? Oh. Tac, tac, tac. Donc, je copie ça. Ça, c'est super pratique pour faire des super usines. Oula! Ça n'a pas bien marché, madame. J'ai mal calculé mon truc pour le verre. Ah, brin! Brin. C'était quoi, ça? C'est quand même pas pour l'usine de blanc. Ah si, c'est pour l'usine de blanc. Mais quel est le gounafé qui a été chercher du verre ici? Alors qu'il n'y avait pas la place. Ah! Brin de brin. Donc du coup... Pourquoi ça se termine par un... Ouais, c'est pas gênant. Ça se termine par une entrée, là, c'est pas gênant. Au contraire, ça permettra de rajouter facilement des trucs. Par contre, on vient de péter notre usine de blanc. On est conscient de ça? Bon, pour l'instant, on s'en moque parce que... Donc c'est provisoire. Hein,
C'est provisoire. Parce qu'il n'y a qu'une seule ligne qui fonctionne. Hein. Donc on s'en moque. Il y a un filtre avec un répartiteur qui prend pas plus de place si tu déplaces le filtre. Je comprends pas. Oh, ils ont même pas fait de version droite-gauche. Ça, c'est pénible. Hein. Ça, c'est pénible, monsieur Gadbury. 15h33, encore un 15 minutes. J'aurais bien aimé finir le truc. Ça va vite. Hein. Ça passe vite hein, quand on... Ça passe vite quand on s'embête. Hein. Ah ouais, il faut que je redéplace tous mes trucs, là. Oh! Alors, X. Oui, confirmer la coupure. Oula. Alors, attends, j'étais là. Je sois là. Tac. Bah si tu accèdes, si tu peux venir sur le Discord, on peut s'échanger des choses. Hein, il y a le Discord, il y a une petite présentation à faire. Tu as accès au salon et il y a un salon Chapez où il y a des échanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. On va copier tout ça. Hop. Jusqu'en bas. Merci JD pour ton 16e mois. Bonjour à tout le monde et merci Z pour ces bons moments passés en ta compagnie. Gros béco, merci JD, merci pour le soutien et 16 mois. Ouais, waouh. Pop pop. Alors, par contre, ouais, faut bien viser, ça doit être là. Pop. Hop. Donc normalement. J'ai dû raccrocher les wagons. Donc là, j'avais du blanc et j'avais un rond. Donc ça doit toujours marcher. Non. Il n'y a pas de rond qui arrive. Il n'y a pas de blanc. Attends, là, on a du 1. Là, on a du 1. En blanc, en blanc. Ok, ça doit être bouché en dessous. Alors c'est... Pourquoi c'est alimenté là? Ah, parce que je l'ai copié. Ah, bah... Hein. Donc pour l'instant, ça c'est 0. Ça c'est 0. Ah. Oh, pourquoi il y a une erreur? Ah, parce que OK. Nous avons coupé intempestivement des fils. C'est tout bon? C'est remis d'aplomb? C'est bon chef? Pourquoi là il y a rien? On voit 0. Et là, on envoie. Mais pourquoi il affiche pas 0? Ah, parce qu'ici. Bah non, il y a 0. Ici, ici, il y a bien 0. 0, 0. Étrange.
Comme s'il n'y avait rien sur ce... Pourquoi il affiche rien là? Ça va être coupé. Ah, ok, d'accord. Ah, parce qu'il en restait un. D'accord, voilà, pouf. Oh vache, c'est vicieux, hein. Puis on voit pas super clair cette couche-là. Ouais, puis quand on copie, il n'efface pas ce qu'il y avait avant. Il écrase pas, donc... Ah ben là j'aurais le même problème en fait hein. Ok dac. Bah ben là il y a du dégât là. Oula. Ouf. Va se passer. Ah, il n'y a pas de... Le copie de masse, c'est bien, mais... Donc là, c'est 0, là, c'est 0, là, il y a une forme. Ça serait une demande à faire pour presser une mise à jour. Ouais, qui est la possibilité soit de copier brutalement, ou soit pas. Ah, là, ça doit être coupé parce qu'il n'y a pas le signal là. Ah ouais, ok. Bon, on le voit hein, quand c'est coupé, il nous l'indique en fait. Hein. Donc là, tac, tac, tac. Voilà, on a rétabli. En fait, faut se mettre tout en haut et vérifier que le signal passe ou pas. Après, il y aurait moyen. Ouais, bon, bah là, pareil. Ah, bah j'ai fait un copier-coller. On voit les formes cheloues. Là. Ah, là, il n'y a pas de forme. Ah, c'est coupé ici. Ok. Contrôle plus. Ah oui, le contrôle Z, ouais, ça serait pas mal ça. Hop, rouge, touche rouge. Donc là, c'est tout bon. Si on contrôle en fin de ligne et qu'on a le bon signal, c'est OK. OK, Dac. Donc en bas, on balance des formes. Ah ouais, du coup, on a fait un gros copier-coller de brins. Ici, ici, ici. Ici, c'est pas bon. Pop, pop. Pop, c'est pas ces constantes-là qu'il faut balancer. Voilà, on enlève tout. Ça va mettre le bazar partout. Ici, ce qu'on envoie, c'est des ronds. Donc, on envoie 4 ronds. Donc, le premier, c'est Q. Ça va encore vous faire rire, les gars. Hein. Porte de petit pop. Q. Q en troisième position et un petit Q en quatrième position. Et puis là on balance deux bleus. Deux bleus, deux bleus, deux bleus. Et qu'on va balancer. Alors. Le cul. Deuxième cul. Troisième cul. Quatrième cul. Ah, il y en a quatre comme sur la fiche, Jwan. C'est un jeu open source, ouais. C'est du JavaScript, hein. Il y a encore des petits, y a encore des petits bugs, hein. Et pour la couleur,
Donc il faut peindre le 1 et le 3. Donc il faut envoyer du bleu ici et ici. Donc ici du bleu et du bleu. Ah ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait... Oula, attends, c'est quoi Spins? Ah vache. Il y avait des trucs avant ici, hein. D'où le problème. Bon, faudrait que j'alimente deux bleus ici. Où est-ce qu'on a du bleu dans le coin? Bah on en a du... On a du bleu ici, ça va le faire. Bah il faut aller quasiment jusque là, ouais, ok. Ah, il y a une autre solution, c'est pop. Alors, ouais, donc ici on a le même problème, c'est-à-dire que là, il faut couper ça et mettre une constante à 0, sinon ça marche pas. Et il s'alimente bien sur le troisième. Ok, d'ac. Alors si j'ai deux troncs, ouais, comme celui-là par exemple, ça va pas marcher du coup. Pourquoi j'ai du blanc là? Il faudrait que je débloque toute la machine. Pourquoi elle est bloquée? Ah oui, elle est bloquée parce que j'ai bloqué le truc là. Ok. Pop, 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 pop. Ici, il faut que j'appuie sur le bouton. Pop. Ah, il n'y a plus rien qui se génère. Pourquoi? Et pourquoi ça? Pourquoi il n'y a plus rien qui marche? Ah, la deuxième pièce est vide. Ah oui, parce que c'est des ronds. Ah oui, c'est des ronds, ils s'alimentent plus parce qu'ils sont pompés par le premier... Oh, brun. Celui-là et celui-là, ils sont pompés par le premier système. Il ouais, faut que je revoie tout le système d'adressage qui est pas correct. Donc là... Donc ici, ici c'est pas bon, et ici c'est pas bon. Et je vais avoir le même problème ici. Ici c'est du rouge, c'est bon. Alors,
c'était la deuxième couche. C'est bon, elle est repartie. Ouais, non, elle est pas repartie. Elle est pas repartie du tout. Attends, sinon, il faudrait gérer. Non, même un ordre. Même un ordre, ça passerait pas. Alors, attends, c'est. Ouais, c'est bloqué ici. C'est celle-là. Pourquoi elle essaye de partir là? Ah oui. Par contre, il y en a une autre. Ah oui, si j'avais bien bloqué. Ok. Donc ça y est, c'est reparti. Du coup, les autres remoulinent. Ah, ici, même problème. Même problème ici. Voilà. C'est bon. Et ici. Ça sent le temporairement définitif. Bah non, c'est pas possible parce que ça. Là, ça ne peut marcher que pour cette pièce-là. Dès qu'on va faire une autre pièce. Il va falloir rechanger tout ça, donc non, on va réfléchir à ça. Je ferai peut-être si j'ai le temps et que je trouve la solution, je ferai peut-être un épisode spécial où j'expliquerai bien un peu ma solution, si j'y arrive. Hein. J'espère que je vais y arriver. Du coup, ça n'a pas l'air de passer quand même. Pourquoi il arrive à rien là? Ah, parce que c'est bloqué par celui-là. Et pourquoi lui il est bloqué ici? Ouh là là. Ça c'est pénible, c'est les découpages à 4, ils se bloquent très vite dès qu'il y a un qui est bloqué. Parce que normalement ça doit marcher, mais du coup comme il est bloqué. Ouais. On va revoir le truc. Réfléchir, J1, non, il n'y a pas de problème. Et puis on va vite partir en pause. Après, elle marche la machine. Hein. Bon, c'est pas la pièce qu'on veut parce qu'il y a un souci avec la fusion des 3e et 4e. Et puis, cette pièce là est. Il faut qu'on purge le système. Ça devrait pas être cette pièce là. Et il y a un problème de fusion ici. Mais ça, on va le régler à l'extérieur temporairement, rien que pour cette pièce. Qui est quand même spécifique, hein, puisqu'il y a la couche 2 et la couche 3, elles sont censées se fusionner, mais pas au même niveau, mais à deux niveaux différents. Or, si on ne fait rien, ici, elles se gèrent mal. Elle fonctionne, mais c'est pas la pièce qu'on veut. Ouais, c'est ça. En fait, en clair, c'est ça. Bon, là, c'est bon, mais du coup, ça génère plus rien. Du coup la machine va s'arrêter, faudrait voir pourquoi. Mais bon, il faut que je revoie mon système
ici de d'adressage. Hein, puisque j'avais fait une matrice, je dis dans les colonnes ce que j'injecte et j'indique dans les lignes ce que je veux qu'il parte pour chacune des 16 lignes d'entrée dans la machine. Le problème, c'est que comme j'ai des lignes, des colonnes qui ont les mêmes choses, comme par exemple des couleurs ou des formes, c'est la première qui gagne. Et donc la deuxième ne reçoit rien. Donc il faut que j'invente un système un petit peu plus sophistiqué que ce que j'avais prévu. Après, si c'est pas possible de fonctionner comme ça, il faudra que je passe sur d'autres systèmes, plutôt plus sur les systèmes à Mimish ou DJ. Faut réfléchir avec des neurones. Des vrais, ça existe des vrais neurones? Des faux neurones, ça réfléchit pas. Voilà. Bon, on va partir en pause. Petite pause de 3-4 minutes. Et puis, on continue sur du Minecraft. Ça sera plus reposant, même s'il faut aller bosser dans l'End. On partira un petit temps dans l'End. Et puis après, on fera un quoi qu'on fait. On ira faire d'autres trucs rigolos. Voilà. Donc, soit je trouve et j'ai le temps d'y bosser. Je trouve dans la semaine, je ferai un petit épisode pour vous expliquer ma solution. Soit je trouve pas et puis il faudra tout casser et tout refaire autrement. Peut-être avec la solution, je regarderai. Si je trouve pas, je regarderai la solution de Mimish et je me permettrai de le copier un petit peu. De Mimish ou de Gigi s'il pose son truc sur le Discord. Des gros bisous, hop, c'est pour la rediffusion YouTube. Que d'ailleurs j'ai oublié d'enregistrer, donc il faudra que je la repique sur Twitch. Ok, tac. Et puis voilà. Donc.